Ces images finiront par convaincre l'opinion internationale. Sous le commandement du général Ho Chi Minh, la bataille de Dien Bien Phu conclut un siècle de présence française au Vietnam. La bataille a duré 56 jours. La France perd la guerre et l'Indochine. La 4e République, dirigée par le général de Gaulle, décide d'envoyer les parachutistes en Algérie dès 1957. La guerre devient l'une des plus meurtrières. L'est du pays, l'ouest, le nord et le sud sont envahis. Les parachutistes se déploient sur tout le territoire algérien. Nous nous battons ici pour eux, pour l'évolution, pour voir l'évolution de ces gens-là. Et c'est une guerre à eux, nous défendons la liberté, au même titre que, à mon avis, nous défendons la liberté de l'Occident. Nous sommes ici des ambassadeurs, des croisés que nous accrochons pour que nous puissions continuer à parler et avoir le droit de nous exprimer. Dans l'Algérois, le chef de la Wilaya 5, l'Harbi Bamhidi, arrêté par le 3e RPC, régiment de parachutistes coloniaux, il retrouve Brahim Cherbi, responsable politique de la zone autonome d'Alger, appréhendé en même temps que lui. Les deux leaders sont interrogés longuement et brutalement, mais ils ne lâchent rien. L'Harbi Bamhidi, 34 ans, est torturé. Il refuse de parler avant d'être pendu, sans procès, ni jugement, ni condamnation, par le général Osares. C'était durant la nuit du 3 au 4 mars 1957, pas loin d'Alger. L'Harbi Bamhidi, chef du FLN à Alger, ne s'est pas suicidé dans sa cellule en 1957, contrairement à la thèse officielle présentée à l'époque par l'armée française. L'Harbi Bamhidi a été exécuté par pendaison, non par balle, comme le croyaient les Algériens. Le chef FLN est introduit dans la pièce. L'Harbi Bamhidi commence par refuser le bandeau qu'on lui propose. « C'est un ordre !» lui lance le soldat. « Je suis moi-même colonel de la LN. Je
sait ce que sont les ordres, réplique l'Arbi Bamhidi, prononçant là ses dernières paroles. Osarès précise que lors d'une première tentative, la corde se casse, et la deuxième sera la bonne. Le capitaine Allaire a dit « J'aurais voulu avoir un patron comme ça, de mon côté, de cette valeur, de cette dimension. » C'était un seigneur, Benmidi, impressionnant de calme et de conviction. Il déclara par la suite du soir de son exécution et rejoignant Brahim Shergi dans sa cellule, « Je te remets la montre de ton compagnon, Benmidi, il n'en aura plus besoin. » Selon la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, chapitre 3 de l'article 86 précise « Un prisonnier de guerre ne pourra être puni qu'une seule fois, en raison du même fait ou du même chef d'accusation. » Abdelhafid Boussouf, lieutenant de l'Arbi Bamhidi, devient colonel de la Wilaya 5. Il décide de mettre en place la préparation de cadres du FLN et des élites, les renseignements, les transmissions et la formation de pilotes pour l'aviation. En effet, dès 1959, l'ALN avait mis sur pied plusieurs bataillons mieux formés, mieux encadrés et surtout mieux dotés en armement léger et lourd et qui commençaient réellement à donner du fil à retordre à l'ennemi et d'une manière durable. Simultanément, et aussi grâce à ces bases arrières, que l'intelligentsia algérienne a été mise à contribution. Elle a été mise à contribution d'abord pour consolider nos institutions telles que le CNRA, Conseil national de la Révolution algérienne, le CCE d'abord, le Comité de coordination et d'exécution, le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, l'état-major Est, l'état-major Ouest et l'état-major général ensuite, pour organiser une grande centrale de renseignement, de contre-renseignement, de documentation, de recherche et d'analyse, et enfin pour tisser un réseau international de soutien à la lutte de libération nationale et de propagande contre la puissance coloniale. Et cela est rare dans les révolutions. Il faut reconnaître que le maître artisan de l'organisation de ces bases arrières a été incontestablement le regretté, c'est Abdelhafid Boussouf. Le colonel Abdelhafid Boussouf, qui en 1956 avait remplacé Benmehidi à la tête de la Wilaya 5 et donc qui disposait pratiquement de toutes les bases arrières de l'ouest du pays, c'est-à-dire sur la totalité du territoire marocain, grâce également à la bienveillante disposition des autorités marocaines, des bases arrières où il a pu également recevoir, recruter un très grand nombre de jeunes qui venaient des universités, qui venaient des lycées après la grève des étudiants en 1956. Et à partir de là également, ces jeunes qui avaient des niveaux intellectuels suffisamment élevés ont été triés, sélectionnés et choisis par le colonel Boussouf pour les envoyer vers des pays armés pour faire poursuivre des formations spécialisées dans le domaine de l'aviation, de la marine, de la police, des nageurs de combat, etc. Donc, c'est un peu... ce n'est pas lui qui a géré directement cette formation, mais c'est lui qui a le premier choisi les premiers éléments qui ont été destinés à cette formation. Il y en a d'autres également qui ont été sélectionnés à l'est du pays et qui ont été également envoyés dans les mêmes conditions. Mon premier contact avec le FLN est dû à mon frère, qui était lui très engagé avec le FLN, à Blida, et qui entraînait pratiquement toute ma famille, c'est-à-dire mes parents, mes frères, mon oncle, et toute la famille,
Et donc, j'ai commencé très jeune, en 1954, par des transports d'armes. Je tirais à la ronde au Moudjahed quand il est sorti la première fois, et je le distribuais en ville. Ensuite, il y a eu la grève de 1956 des étudiants algériens, la décision de l'UGMA, l'Union Générale des Étudiants Musulmans d'Algérie, de faire la grève des études, enfin des écoles et des lycées, des universités françaises. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde a rejoint le maquis. Moi, pour moi, je n'ai pas pu parce que toute la filière a été arrêtée. Mon frère était monté au maquis, mon frère était en prison, mon oncle aussi, etc. Donc moi, j'avais à l'époque 19 ans. Donc je suis parti par la France et je suis rentré par la Suisse et l'Italie, je suis retourné à Tunis. J'étais en France après la grève des étudiants. J'avais traversé toute l'Espagne pour rejoindre le Maroc où je me suis présenté au FLN en septembre 1956. 3 mois après, j'ai été dans un camp d'entraînement de l'ALN. Je suis sorti du maquis par la Tunisie. Pour arriver en Tunisie, j'ai pratiquement fait 70 jours de marche à pied et à la tête d'une compagnie de 130 djouloutes qui venaient pour ramener de l'armement. Nous avons attaqué la ligne Maurice à 3 reprises et ce n'est qu'en la contournant par le sud, par le désert, que j'ai pu la traverser sans perdre de soldats. J'ai laissé mes djouloutes sur la frontière à Tadjerouine et par la suite j'ai continué vers Tunis où le colonel Ouamran et le commandant Sissaleh m'ont reçu et m'ont orienté vers le Caire. Voilà le parcours, si vous voulez, de mon recrutement personnel et pratiquement tous les étudiants ou lycéens ont suivi ce cheminement selon leur lieu d'origine. Ensuite, un peu plus tard, est venu en 1956, avec le congrès de la Soumam, la grande réunion de la Soumam, la définition, la redéfinition des objectifs politiques, des objectifs stratégiques sur le plan interne et externe. Le congrès de la Soumam a pris conscience de la durée de la guerre qui devrait s'étaler dans le temps et de la nécessité de préparer une armée de libération à même de faire face aux technicités de l'ennemi, à sa puissance militaire et à sa présence territoriale. Il fallait préparer des cadres tout azimut, terre, air, mer, de manière à avoir dans le futur une armée de libération à même de mener des opérations dans tous les domaines. La décision de mener cette campagne de formation a été attribuée au colonel Ouamran. Sur cette décision, il a établi ses bureaux en Tunisie et au Caire. Concernant le recrutement, il a une décision prise par le CCE d'évacuer tous les lycéens en mesure de recevoir une formation de cadre vers l'étranger. Ce recrutement a commencé par les wilayas limitrophes de la Tunisie, à savoir la wilaya 1, la wilaya 2 et la wilaya 3. Les étudiants algériens qui vivaient au Maroc ou en Tunisie ont aussi été incorporés, sélectionnés et envoyés vers le Caire aux fins de formation. La Fédération de France a aussi participé par l'envoi d'un certain nombre de lycéens grévistes qui nous ont rejoints au Caire, en Égypte ou en Tunisie. Et là, j'ai rencontré le colonel Ouamran, qui était le chef de notre wilaya, la wilaya 4. Donc, je suis allé le voir et il m'a dit « Bon, Mohamed, tu viens, qu'est-ce que tu veux faire ?» Tout ça. Je dis « Je veux monter au maquis. » Il m'a dit « Pas question. »« Bon, toi, tu vas au Caire faire l'aviation. »
C'est ton frère qui l'a dit, Mustapha. Je dis, mais comment tout ça? C'est bien plus tard que j'ai compris pourquoi le colonel Ouamran m'a envoyé au Caire faire l'aviation, parce qu'il était au courant du décès de mon frère. Des jeunes étudiants en grève, de retour du maquis, ou fraîchement recrutés, avaient été sélectionnés dès 1957 et envoyés vers des écoles militaires en Égypte, dans le monde arabe d'abord, en Chine, en URSS et dans les pays de l'Est. J'ai fait partie du premier contingent envoyé début 1958 par la Wilaya 5 pour rejoindre la première promotion d'aviateur de l'ALN à l'Académie de l'air en Égypte. Bon, ben, j'arrive en 1957, vers mi-juin comme ça, au Caire. On est pris en charge par le bureau local du FLN. Et là, ils ont commencé à reconstituer le groupe. Bon, mais là, je veux faire une parenthèse. C'est que tout le monde veut se prétendre être le premier aviateur ou pilote algérien. Il n'y a pas de premier pilote algérien. Moi, celui que je connais, c'est peut-être Mahedine El-Khderi, qui a été formé par la France, aux États-Unis, etc., qui est un pilote émérite. Mais il y a eu des groupes de pilotes. Par exemple, nous, notre promotion, il y a eu un groupe qui était formé en Syrie, composé de 6 pilotes, 6 élèves, qui étaient Rahal Yahya, le défunt Rahal Yahya, Rabah Shellah, Mustapha Doubabi, Ismail Ouyahia, Bouzroub Tahar et Doubabi et Salah Boudaoud. Et au Caire, à Belbis plutôt, puisque l'académie, on a démarré à 12 et il y a eu 7 d'éliminés. On est resté à 5, c'est-à-dire le colonel Snoussi, le colonel Dewedji, le colonel Ben Mishri, le colonel Ben Khoucha et moi-même. La sélection comportait d'abord le niveau intellectuel exigé par des académies égyptiennes et syriennes à cette époque-là, les années 57. Quand vous commencez à voler, les 4 ou 5 premières heures sont faites pour tester votre aptitude physiologique à supporter les effets du vol, de l'acrobatie, etc. Cette sélection s'opérait dès le départ, à l'entrée. Alors, il y avait une première sélection qui se faisait soit au Maroc, soit à Tunis, d'une part. Et une deuxième sélection qui se faisait à l'entrée de l'académie. Et là, c'est des responsables de l'académie locaux qui acceptaient ou refusaient le recrutement. Il faut remercier les pays frères que je viens de citer qui ont accepté donc, de les prendre dans leurs académies et de les former dans les mêmes conditions que leurs nationaux. Et ils ont obtenu des résultats extrêmement importants malgré l'handicap de la langue, puisqu'au Moyen-Orient, les enseignements étaient faits soit en arabe classique, soit en anglais, alors que la majorité de nos jeunes étudiants étaient de formation et de culture française. La première école de l'air à ouvrir ses portes a été l'école d'Alep, en Syrie. La deuxième école de l'air à nous ouvrir ses portes a été Belbis, l'école de l'air égyptienne. Et là, il y a eu une première promotion en fin 57, début 58, et qui comprenait 10 élèves. Sur les 10 élèves, il y en a eu 5 qui ont été éliminés pour inaptitude physiologique. Je ne dis pas une mauvaise santé, je dis inaptitude physiologique. Et ont été orientés vers d'autres filières de la formation, à savoir la marine ou l'armée terre, dans d'autres spécialités. L'école de l'air à Belbis, c'est l'école de l'air à Belbis.
les élèves algériens sont venus en Égypte. Et de là, il y avait le commandant Saouden qui avait rejoint, il avait déserté de l'armée française. Lui était diplômé de Salon de Provence, un pilote aussi très bien. Et il a pris tous les gens qui étaient en formation en Chine. Donc il y avait des radaristes, des bombardiers, des chasseurs, etc. Ils ont été formés là-bas sur MiG-17. À Belbis, le stage durait en trois phases. Première phase, c'est la formation militaire. Donc on avait une formation de fantassins, c'est-à-dire topographie, ordre serré, etc., etc. Ils ont reçu une formation théorique complète dans toutes les matières, aérodynamique, instruments, armement, météorologie, tactique et ainsi de suite. C'est pratiquement le programme de toutes les écoles de l'air de tous les pays occidentaux. L'encadrement des instructeurs était formé de pilotes égyptiens, de pilotes hindous et de pilotes pakistanais qui avaient pratiquement la majorité d'entre eux travaillé dans la RAF, la Royal Air Force anglaise, et qui avaient donc une expérience des plus ardues et un esprit de discipline strict. Donc la formation, je dirais, a été des plus sérieuses. Il y en a eu 5 qui ont réussi à avoir leur diplôme au bout de 3 années de formation. Les 3 années de formation, ils ont volé sur 3 types d'avions différents. En première année, soit le Jumhuria, soit le Zlin 226. C'est l'un des deux. En deuxième année, ils ont volé sur un avion soviétique, le Yak-18, qui est un peu plus costaud, je dirais, que le Jumhuria. Et la troisième année, ils ont volé sur un avion de combat de la Deuxième Guerre mondiale. C'est soit le T6, le Harvard T6, qui était utilisé déjà par l'armée française contre la LN durant la guerre de libération, soit le Yak-11, qui était un avion de chasse anti-char, qui était utilisé par l'armée soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a fait des ravages dans les blindés allemands. Là, c'est un avion quand même qui était assez difficile à piloter. Donc, on a fait à peu près 100 d'heures aussi là-dessus. Et là, on est breveté pilote, avec le brevet de pilote, l'insigne, les ailes de pilote, enfin. Et la promotion a été graduée sous la haute autorité du président Jamal Abdel Nasser. Lorsque les Français avaient fini de construire des barrages diaboliques sur nos frontières Est et Ouest pour étouffer la résistance et que les maquis à l'intérieur commençaient à s'essouffler, faute de logistique et sous les coups meurtriers des grandes opérations comme Pierre Précieuse et Jumelles, et bien c'est grâce à ces bases arrières que la lutte de libération a pu balancer l'effort militaire dans les zones frontalières et diplomatique sur le plan international. Il s'agit de fortifications extrêmement complexes et extrêmement difficiles également à franchir parce qu'elles étaient constituées d'un obstacle physique, un ensemble de rangées de barbelés, minés, électrifiés, etc., avec un système d'alarme, un système de surveillance par radar, par système électronique, etc., sur lesquels s'appuyaient des unités d'interception au niveau de ces barrages à partir de postes ou disposés d'artillerie, d'engins blindés, etc., qui sillonnaient les pistes à l'intérieur de ces barrages. Donc la traversée est extrêmement difficile et de nombreuses tentatives ont été faites par l'armée de libération nationale pour essayer de briser ce blocus, mais il y a eu des possibilités de traverser, mais elles ont été extrêmement coûteuses en hommes, jusqu'au jour où ces barrages ont été suffisamment perfectionnés pour empêcher pratiquement tout transit d'armement par les frontières. Devant les grands obstacles
que nous posaient les barrages. Nos responsables et à leur tête, c'est Abdelhafid Boussouf, envisager sérieusement, dès la fin 1959, l'emploi du noyau d'aviateurs formé à l'époque pour faire rentrer des armes à l'intérieur. Dans ce cadre-là, un premier groupe d'officiers a été envoyé en stage secret en Irak du temps du président Abdelkrim Kassem. Ce groupe était composé de 5 pilotes pour le transport qui étaient Abdelkader Taharat, Abdelrahman Serri, Mustafa Dewaji, Mohamed Belmechri et moi-même. De 3 pilotes pour la chasse et qui étaient Mahiyeddin Lakhdari, Mohamed Bechir Chali et Nourdine Benkhoucha. Et enfin, de 3 techniciens pour le radar et qui étaient Sayed Salah, Mohamed Boutamine et Mohamed Oudelha. On a reçu la visite de l'adjoint de M. Boussouf qui nous a demandé d'être, si on était volontaire. Je vous en ai parlé. Donc, volontaire, ça nous a fait tous rire parce que tous ceux qui étaient dans la LN étaient volontaires. Hein? Et donc, et de là, ils nous ont envoyés en Irak. Donc là-bas, on a fait un stage sur... et on était scindés aussi, là. Il y avait les pilotes de transport qui ont fait comme... ils ont fait le Dove, ils ont fait le Heron. C'est des avions anglais, hein. C'est des bimoteurs. Et nous, on avait fait la chasse avec Benkhoucha, Lakhdari, tout ça, puisqu'on avait Lakhdari comme chef de mission là-bas, Mahiyeddin. Et on a fait le Vampire. Le Vampire, c'est un avion première génération anglaise de chasseurs à réaction, qui est un bipoutre, il n'a pas de siège éjectable, rien du tout, c'est un avion très rustique. Et on a fait, donc, sur le T-11, c'était l'avion d'entraînement, et le Mark 9, le Mark 9, c'était le chasseur, par excellence, bon, avec tout ce qui va avec. Et là, on a fait toute la formation réacteur. C'est Abdelhafid Boussouf nous a réunis. Il nous avait apporté de la documentation et du matériel bureautique, et il nous avait demandé d'étudier et de confectionner des plans pour une base aérienne sommaire. Alors nous lui avons expliqué que notre formation ne nous permettait pas d'entreprendre un tel travail qui nécessitait des connaissances solides en génie de l'air. Il nous a fait remarquer que lui non plus n'avait pas reçu la formation nécessaire pour assumer les responsabilités qui étaient les siennes. Et il nous a dit que la révolution, elle doit compter essentiellement sur ses enfants et que, quelquefois, si le besoin se fait sentir, on peut toujours faire appel à des experts étrangers. Toute cette préparation et tout ce travail a été fait dans le secret total. Et nous-mêmes, nous ignorions le but de cette opération. Ce n'est que des années plus tard que Sidhou ou le Qabliya, qui était à l'époque en charge du dossier de renseignement sur l'ennemi, m'avait appris que si Abdelhafid Boussouf planifiait de faire parachuter des armes dans l'est du pays à partir d'une base secrète, très probablement dans le désert libyen, mais que les soviétiques lui auraient dissuadé à cause de la présence de forces de l'OTAN dans la région. Colonel Boussouf, qui entre-temps était devenu le ministre de l'armement et des liaisons générales, avait sollicité, en liaison avec l'état-major général de l'armée de libération nationale, le concours de quelques pays amis qui auraient pu avoir une expérience en cela. Les Égyptiens ont été contactés, consultés,
n'ont pas pu apporter une réponse appropriée, de même que les Yougoslaves également, qui ont dépêché des missions, de même que les Chinois également, qui nous ont proposé une solution tout à fait inapplicable pour nous, parce que pour eux, il était question d'envoyer un maximum de personnes, si vous voulez, puisque le nombre ne comptait pas pour eux, il fallait passer en force, quelles que soient les pertes. C'est ainsi que nous nous sommes donc, que le colonel Boussouf s'est rapproché d'un autre pays du camp soviétique, du camp de l'Est, c'est-à-dire l'Union soviétique, qui avait de grandes capacités et il pensait qu'elle était en mesure donc de nous aider à trouver des moyens tactiques ou des moyens techniques ou des moyens opérationnels pour éviter l'écueil de ces barrages. Je devais, avec mes deux autres camarades de promotion, à savoir Bougassa, Al-Krim et Saïd Lahsen, on devait faire de la chasse. Et nous avons commencé à recevoir la formation théorique sur MiG-15 et MiG-17. Entre-temps, notre responsable, Aït Messaoudan, a été rappelé à Tunis. Et on lui a fait savoir les nouvelles directives du commandement de la Révolution, à savoir le colonel Boussouf, qui lui a intimé l'ordre de former des pilotes d'hélicoptères pour transporter de l'armement au-dessus des frontières, à l'Inchal et à l'île Maurice. Et pour cette mission, il a demandé des volontaires, vu les dangers que représente cette mission et les obstacles territoriaux qui existaient, c'est-à-dire la surveillance radar, la défense anti-aérienne française et ainsi de suite. Vu les risques que cela présentait, il exigeait que ce soit des volontaires. Nous avons été volontaires pour effectuer cette mission. Et là, nous avons abandonné la chasse pour faire de l'hélicoptère. Notre responsable, Aït Messaoudan, quand il a été rappelé à Tunis et qu'il a reçu les instructions pour la mission exceptionnelle de transport d'armes au-dessus des frontières, a précisé qu'il n'avait pas de personnel au sol pour soutenir des avions. Le colonel Boussouf, qui était responsable de l'armement à cette époque-là, a prélevé des usines d'armement 12 techniciens et les a affectés aux hélicoptères et nous ont rejoints en URSS. Lorsque l'Union soviétique a reconnu de facto le GPRA, un groupe d'une cinquantaine d'officiers de l'aviation, de la marine et des transmissions est arrivé en URSS début 1961. Saïd Messaoudan était notre chef de mission. Avant que chaque groupe rejoigne son lieu de formation, il a réuni les aviateurs pour les répartir sur les différentes spécialités. Et il avait demandé 4 pilotes volontaires pour une reconversion sur hélicoptère. Et il avait dit que lui-même était le 5e volontaire. Chose étonnante, parce que c'était un pilote de chasse opérationnel. Je rappelle que Saïd Aït Messaoudan était déserteur de l'armée de l'air française. Nous sommes donc partis en stage en Kirghizie, à la base aérienne de Frunze, qui s'appelle maintenant Bishkek. Et l'essentiel de notre entraînement sur hélicoptère consistait en des vols de nuit à basse altitude avec des atterrissages et des décollages dans des conditions très difficiles. À la fin du stage, nous pouvions voler à basse altitude de nuit, guidés par un radiocompas de fortune qui ne portait pas plus loin que 30 km, atterrir et décoller en charge sur une seule lampe rouge. En dehors de Saïd, qui était chef de mission, personne ne savait le but de cette préparation. Mais la nature de notre entraînement ne pouvait avoir qu'un but opérationnel.
le mal que disposait des services de renseignement. Il avait des départements de renseignement, et des départements de contre-renseignement, etc. Et le département de renseignement, la DDR, comme on l'appelait à l'époque, la Direction de la Documentation et Recherche, avait des départements qui s'occupaient des analyses politiques, des analyses économiques, des analyses diplomatiques et surtout également un département qui suivait directement les questions militaires. C'est un département que je dirigeais personnellement. Et de ce fait, nous avions toutes les données, le maximum de données sur la structure de l'armée française dans son encadrement, dans son organisation territoriale, dans son organisation opérationnelle, les différentes zones, les différentes divisions, dans sa stratégie, dans ses équipements, etc. Et dans ce cadre-là, nous avons été sollicités par la partie par nos partenaires qui étaient en train de préparer la mission avec nos propres pilotes pour savoir quelles étaient, par exemple, la couverture aérienne française, de l'armée française au niveau des barrages, quand on leur a donné toutes les spécifications des radars qui existaient, que ce soit les radars pour la détection en altitude, ou bien la détection au niveau terrestre, puisqu'il y avait également sur chaque partie du territoire de la frontière, que ce soit est ou ouest, une trentaine de radars terrestres, ceux-là qui étaient chargés de la détection des mouvements des personnes et des mouvements des engins. Donc, nous avons donné également les spécifications de ces radars avec leur performance. Également, ils nous avaient demandé des informations sur les avions français, les escadres. Il y avait une escadre de chasse française, il y en avait deux, une à Oran, à l'Artigue, et une à Bonn. C'est pour cela que les officiers soviétiques nous ont suggéré de nouvelles solutions. D'abord, au plan purement armée de terre, c'est de déployer notre armée sur l'ensemble de nos frontières, y compris les frontières sahariennes avec la Libye et sahariennes également ou sahéliennes avec le Mali et le Niger. C'est ainsi que le front sud, ce qu'on a appelé le front sud de l'ALN, a été constitué aux limites des frontières algéro-libyennes pour pouvoir éparpiller des unités françaises et éviter la concentration dans les zones du nord-est pour la Tunisie et du nord-ouest pour le Maroc. Donc cette opération également a été une des étapes. Ensuite, ils nous ont suggéré qu'il était possible éventuellement soit de faire des transferts d'armement par des petites unités marines, des types Zodiac, ou bien également utiliser l'aviation. Bon, pour ce qui est de l'aviation, le colonel Boussouf avait déjà pensé à l'aviation, puisqu'à un certain moment, bien avant cela, il avait pensé comment réaliser des pistes plus ou moins secrètes, comment également acquérir des moyens et des aéronefs également susceptibles de... Mais au cours des discussions, il s'est avéré que l'usage ou l'utilisation de l'avion n'était pas possible compte tenu également des moyens de détection de l'armée française à haute altitude. Restait le problème des hélicoptères qu'il était possible d'examiner, et c'est ce point absolument nécessaire. Une tactique a été, je pense, arrêtée avec ces soviétiques pour l'usage de l'hélicoptère. Le MiG-15, c'est un avion école, d'abord, parce que à l'époque où on s'est entraîné, nous, en URSS, sur le MiG-15, l'avion était largement dépassé. Hein?
Il y avait déjà le MiG-19, le MiG-21, le MiG-23, enfin toute la série des MiG qui sont arrivés. Donc là, c'était un avion d'entraînement, mais c'est un avion fabuleux. Moi, je vous assure, c'est un avion fabuleux. D'ailleurs, une petite anecdote, quand on était en URSS, on a reçu un groupe de pilotes yougoslaves. Un pilote du groupe de pilotes yougoslaves, des pilotes chevronnés, c'était la première fois que Tito envoyait des pilotes formés, il avait acheté des MiG-21. Et ces pilotes, avant de passer sur MiG-21, ils ont obligé de faire un petit entraînement sur MiG-17. Ils n'en revenaient pas. Il m'a dit, c'est une bicyclette cet avion, c'est pas possible. Eux, ils volaient sur des avions américains, les F-80, les F-100, etc. Et ils tombent sur le MiG qui part dans tout. C'est un avion qui est très aisé à piloter, alors que les avions américains, on ne plaisante pas avec. Là, à l'atterrissage, vous êtes en pleine finale, vous retournez, vous voyez les autres, les trucs, tout ça. Vous êtes très à l'aise, c'est un avion, je vous dis, comme une bicyclette. Voilà. Donc, c'est ça le MiG-15. Bon, ensuite, il y a eu le MiG-17, parce que la différence entre le MiG-15 et le MiG-17, c'est la post-combustion. C'est-à-dire, il avait une force, il avait une vitesse supérieure et une poussée supérieure, qui est la post-combustion. C'est-à-dire, c'est l'excédent de carburant qui reste, qui est allumé dans la tuyère directement après. Donc, c'est le feu que vous voyez des fois dans les films d'aviation, vous avez les chasseurs avec une grosse flamme derrière, c'est ça la post-combustion. Donc le MiG-15 ne l'a pas, mais le MiG-17, si. On a volé dans le Kazakhstan. Le Kazakhstan, c'est un pays frontalier, je crois, avec la Chine et l'Afghanistan. Et là, il y avait les monts du Tian Shan, qui sont célèbres, les monts du Tian Shan. Le lac qui s'écoule, je crois que c'est un des lacs les plus profonds du monde, avec une eau claire, il est immense. Je crois que c'est la première réserve mondiale d'eau douce. Et on volait sur ces montagnes enneigées et sur le Pamir. Les points de vue français et algériens se sont rapprochés, donnant à une éventuelle négociation des bases plus précises et plus sûres. C'est dans ce contexte qu'on peut s'interroger. Si la procédure d'autodétermination n'est pas dépassée et s'il n'existe pas un chemin nouveau, plus court et plus aisé pour parvenir à la cessation des hostilités. Nous pensons, quant à nous, qu'il est possible aujourd'hui de promouvoir une solution rapide du conflit et qu'il existe, pour y parvenir, une méthode qui nous ferait aux uns et aux autres une économie de temps et de sacrifice et permettrait d'instaurer immédiatement la paix. Les négociations déviant aboutissent à l'autodétermination du peuple algérien. Toute action armée est alors annulée. C'est ainsi que les aviateurs, formés pour des missions secrètes, retournent chez eux dans une Algérie libre. L'histoire de l'aviation algérienne post-indépendance commence le 1er novembre 1962 sous le regard du peuple algérien. Juste après l'indépendance, mi-octobre, d'aller en Égypte ramener les 6 avions qui nous avaient été offerts par Gemal Abdel Nasser. Et après l'indépendance, et plus précisément fin septembre, c'est Saïd Msouzan qui était directeur de l'air au ministère de la Défense nationale, me confia la mission de me rendre au Maroc à la tête d'un groupe de pilotes et de techniciens pour ramener 5 hélicoptères de type Mi-4A, propriété algérienne, et qui nous attendaient dans des conteneurs à la base aérienne de Meknès. Nous avons quitté l'Algérie le 28 septembre 1962 et pendant un mois, nous avons fait le montage de cinq hélicoptères en compagnie d'un groupe de techniciens soviétiques sur la base aérienne de Meknès. Quand je suis arrivé au Maroc, j'avais demandé aux coopérants soviétiques que le travail de montage d'essai en vol des hélicoptères devait durer combien de temps. Il m'avait dit 45 jours minimum. J'ai dit impossible. J'ai reçu des ordres de mes supérieurs. Je dois être à Alger le 29 octobre. C'était un pur mensonge. Et je leur avais dit, nous sommes là et nous allons travailler avec vous sans distinction de grade et de fonction. Lorsque nous avons terminé le travail de montage et d'essai en vol des hélicoptères, j'avais invité le groupe soviétique à un dîner copieusement arrosé. À la rentrée à la base, le chef de mission
le commandant Krasnikov, qui était un peu éméché, m'avoua que son groupe et les hélicoptères étaient mobilisés depuis des mois pour nous assister à faire rentrer des armes à l'intérieur du pays. Et il m'a expliqué un peu l'opération avec des plans qu'il avait sortis de son armoire. Donc il s'agissait d'installer 3 ou 4 bases de stationnement des hélicoptères avec camouflage tout au long de la frontière marocaine, à une distance d'environ 50 km des postes frontaliers. En fin de journée, vers le crépuscule, les hélicoptères, les moyens de soutien et des camions chargés d'armement faisaient route vers un point A, à proximité des lignes du barrage, 5 à 10 km. À la tombée de la nuit, les hélicoptères, par intervalle de 30 minutes, décollaient et volaient à basse altitude vers un point B situé à l'intérieur du pays. Au point B, une équipe préparée à cet effet nous attendait, avec un radiocompas, des moyens de signalisation et certainement ce qu'il faut pour évacuer et cacher les armes. Selon les cas, on devait faire de 3 à 5 missions par nuit. Ce qui était extraordinaire dans toute cette mission-là, c'est que les différents groupes qui étaient chargés de la préparer, ils étaient totalement cloisonnés. Et en dehors peut-être de Saad Hafid Boussouf ou une ou deux personnes très proches de lui, personne ne connaissait l'ensemble de la mission. Une question m'a toujours intrigué, de savoir est-ce que les Marocains savaient cela avant le cessez-le-feu. La question m'a été donnée il y a 2 ou 3 ans par mon ami Mansour Boudaoud, qui était proche de Sebouchouf et qui était responsable de la logistique ouest. Il m'avait dit qu'un nombre restreint de la haute hiérarchie marocaine était au courant. Effectivement, nous avons terminé le travail en moins d'un mois. Et nous sommes rentrés à Alger le 29 octobre 1962. Nous avons atterri à l'aérodrome de la Senia, où il y avait encore des militaires français qui nous regardaient à travers leurs grillages. Et nous avons participé le 1er novembre au défilé militaire, le premier défilé militaire de l'indépendance de l'Algérie. D'abord, c'est d'avoir participé. C'est une expérience exaltante d'être parmi les premiers Algériens avoir été formé en tant que pilote. À l'époque, il n'y en avait pas. Quand on est rentré en 62, on était les seuls à avoir quelques pilotes, en plus de l'Khderi, etc. Mais nous étions les premiers avec le groupe de Syrie. Nous étions, disons, en tout cas, c'est une quinzaine. Hein? Voilà, donc, ça, là, si vous voulez, il y a eu des tas de joie pendant cette période. Hein? Puis il y a l'amitié qui se crée, il y a des liens, comme avec le colonel Snoussi, ça fait 52 ans que je suis avec lui. C'est-à-dire que je le connais avant ma femme, les moments que j'ai passés avec lui, je ne les ai pas passés avec mes frères. De joie ou de malheur, on a eu des malheurs, on a des amis qui sont morts. Et ça vous grave, ça vous marque. Ce qui a permis à la population d'Alger d'admirer pour la première fois dans le ciel algérien des formations de MiG et d'hélicoptères et dans l'hélicoptère de pointe que je pilotais, il y avait un grand drapeau national qui pendait et ce qui est extraordinaire, c'est que c'était la première fois dans le ciel algérien des aéronefs volés, frappés par la cocarde algérienne et pilotés par les Algériens.
Thank you.